Bonjour à tous, welcome Indosia pour une nouvelle vidéo sur Shadow of the Tomb Raider. Aujourd'hui, on réalise le défi Le Grand Plongeon que nous pouvons réaliser dans la Cité Perdue. Ce défi consiste à réaliser des plongeons, des sauts de l'ange depuis des plateformes de plongée. Pour le premier, on l'a vu. Le second, il faut savoir qu'il vous faudra le couteau renforcé pour ouvrir une barricade. Le troisième, je vous montre l'emplacement depuis le village de Paititi, car il faut s'engouffrer voyez, dans une maison sous un tunnel immergé en ressort. Donc c'est aussi l'emplacement d'une crypte, il me semble, ou d'un tombeau. C'est l'emplacement d'un tombeau. Donc là, on monte un petit peu. On escalade ici. Et là, on va se retourner et on va trouver la plateforme de plongée pour pouvoir faire notre saut de l'ange. Ceci était le troisième. Le quatrième plongeon, donc toujours dans la Cité Perdue, bien entendu. Le défi se réalise dans la Cité Perdue. On passe par là. On balance une corde en face, si ça n'a pas déjà été fait, pour pouvoir descendre en tyrolienne. On prend la corniche. Là, on saute pas en haut comme je viens de le faire, hein. On part sur la droite. On s'accroche avec les piolets. Rebelote. On grimpe. Alors ici, de mémoire, il me semble que c'est une crypte. C'est le cheminement pour aller dans une crypte. Mais nous, on va pas dans la crypte. On prend la plateforme de plongée et on réalise donc notre quatrième plongeon qui nous finit le défi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je te laisse mettre un gros pouce bleu. Tu peux aussi me laisser des commentaires car je les lis absolument tous. Et pour poursuivre ton visionnage, je te propose la dernière vidéo mise en ligne en haut à gauche ou celle que j'ai spécialement sélectionnée pour toi en bas à droite. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube sans oublier d'activer la cloche pour ne surtout jamais rien rater.